C'est un petit peu dommage hein, qu'on n'ait pas vu le match tout à l'heure avec la compo parce qu'on a vu des cocos à 2005 et tout, c'était sympa. Donc, bref, le match qui vient de se lancer. Initiative Sacrieur, Eliken. Elio qui joue derrière Sacri, c'est pas mal. Sacrieur qui nous a sorti un mode agile, me semble. Hein. On n'a pas les réfix de la rapière, on a pas un beaucoup gros de reste neutre, ouais. Un gros tacle, ça sent en staffagie hein, sur Eliken. Ouais. Et ouais, donc ils ont un avantage sur l'Hélio. Après, est-ce qu'il y a autre chose qui est gênante dans l'initiative? L'Hélio qui joue derrière le Yap aussi qui peut être embêtant. Je regardais un petit peu l'initiative là de l'Héliotrope Grenoble, enfin Grocnoble, pardon, qui va jouer premier, va de son équipe, mais deuxième, il va placer un portail. Le Yap, non, je sais pas si. Le Roup jouerait juste pas. Derrière. Il peut prendre le Roup, ça... après le Roup. Non, il y a pas. Oui. Ok, oui. Portail Brimade. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Après, ça signifierait directement un coup d'héros du groupe plus un portail. D'ailleurs, Dead Expo qui s'est sorti. Oui. L'Hélio a moyen de tanker énormément. Il a beaucoup de vie, il a beaucoup de res. Et ça tanke énormément. Et après, ça peut repartir facilement dans son camp aussi. Donc, même s'il se prend l'héros, il est pas trop inquiété. Yep. Voilà, le Yep qui a été ramené sera autour de Dexpo. Est-ce qu'on va placer voilà, le Tromblon qui est placé, certainement une bombe, il en restera 3 PA. Surtout que là il va prendre l'héros direct le Yep. T'as le Panda qui va pouvoir le mettre encore plus loin. Ah ouais, le Panda qui pourrait bien l'embêter. Alors une immensation avec une bombe, d'accord. Alors, est-ce qu'il serait feu ce Panda? Je pense. Moins 20 réfix, moins 20 répou. Ouais, t'as 12, les 12 des Nidas et je pense qu'il a la maléfisque. Et du coup, il pourrait mettre un vertige. Ouais, le vertige qui serait très puissant. Hein. Vertige. Ouais. On va même caler un odorat pour ce TK Flip. On joue très agressivement. On se dit qu'on va pouvoir ramener quelqu'un prochain tour. Enfin, pas forcément ramener, mais en tout cas passer portail ou ramener prochain tour. Si, ouais, c'est clairement ce qu'ils vont faire. Là, Le Sacri va avoir un choix à faire, il va devoir coop, et après ça sera le choix de soit on ramène quelqu'un, soit on laisse celui qui coop là-bas, en sachant qu'il n'y a qu'une bombe qui pourrait être clean facilement. A voir, en tout cas Snyler qui vient passer, qui est passé Dragonnet et qui passera en état Dragonnet, voilà. Pour 2 PM sur son Sacri, et il met un Dragonnet rouge, celui qui tape fort. Qui va pouvoir un petit peu entamer la vita de cet héliotrope qui était érodé. Hein. Donc ça fera un petit 200 ou 300, je pense. Ça va débuffer l'érosion au passage. Hein. Oui, c'est ça qui est pas qu'un peu embêtant avec érodeur, enfin hors SRAM plus OSA. Parce que du coup, t'es obligé de replacer tous les tours si tu veux taper celui qui est érodé. Par contre, il bouge juste le portail, ça sert à rien. Sans vouloir être. Oui, c'est vrai que le trop est déjà là au fond, donc s'il tape. Voulait... Il tape même pas. Bah il voulait pas debuff l'héros en fait. Hein. Alors on vient mettre Monster vraiment dans le coin de cette map. On n'a pas mis de vertige, hein, je sais pas si t'as remarqué, on n'a pas mis de vertige. Il sait pas... ouais. Le vertige était pas mal, regarde, tu l'as stable, il allait forcément essayer de dégager quelques PM. Après, ce qui pourrait être pas mal, c'est de... Ah non. Quoi. Ah non, mais le vertige, il faisait beaucoup plus. C'est vrai. Et on voit encore que la flamiche, tu vois, le pont enflammé est des fois plus rentable que la double flamiche. Coucou Ilias. Coucou en PA, oui, 4 PA, 3 PA. Effectivement, ouais. Alors on a un Yop qui est stable, qui a été érodé, qui a 2100 points de vie, il est vraiment bien élevé de sa team. On va faire une anti. Une deuxième anti sur ce panda. Le vertige était free. Alors, le petit bond, d'accord, on s'est bien éloigné de cet EK Flip. Cela dit, on a un Hélio hein, qui jouera, hein, qui pourra très facilement le replacer à travers le portail et le replacer tout simplement pratiquement corps à corps de cet EK Flip. Regarde, je pense que c'est ce qui va être fait. Hein. Attends, est-ce que quelqu'un va pouvoir taper dessus là? On met la retraite, j'ai hâte de voir ce que Steltrop va nous faire. Avec un étirement Ah si.
Il va mettre un portail devant lui, il va remettre un dans le portail et il va super commotion pour... Bah non, il est stable. Le Yop est stable, il peut pas. Ouais, le Yop est stable, il peut pas ramener à travers le portail. Il va avec portail à côté du Yop, super commotion là, enfin super des... Blah. Machin qui attire, et qui pousse, enfin bref. Super Odyssée sur la bombe et mettre un portail sur la gâchette. Oh. En tout cas, s'ils ont en retraite, c'est qui dans leur tour de placement est lieu en tête, j'imagine. Il a pas besoin de l'attirement d'ailleurs. Attends, ça se trouve, on peut faire ça. On ne dit pas qu'il veut Brimade. Ah, ok, il veut mettre le portail ici. Il peut voilà, mettre sur comme ça. Et il peut super comme ça, prendre la bombe pour. Ouais. Non, ça passe, ça passe. Oui, normalement. C'est vrai qu'on a un Yap qui est sous-stab. Hein. Oui, il le fait comme ça pour augmenter la distance entre les portails, donc ça passe. Ouais, non mais c'est bien joué. Retour d'Odorat, on a un Yap sous-stab, il y a la retraite. Il est stab encore. Oui, il est stab, oui, donc il n'y a pas de blabat, hein, pas de bot ou quoi. Je crois qu'il tombe. Retour dodo. Retour dodo. Double single, 8 PA. Après, il peut pousser la... dans le truc pour faire forcer à utiliser des PA, c'est vrai qu'il pourrait faire ça avec le blabot justement, mais non, il préfère passer avec 4 PA. Il aurait pu, ça aurait forcé une libé, ça faisait 3 PA en moins. Oh, Sandido pousse, ça va. Les portails auraient été redirigés vers le dragonnet si s'il avait fait aimantation bot, mais c'est mal. Ah oui, bah oui, ah oui. Il a vu middle. Tu vois, du coup, il est OR. Hein. Et voilà, il est mort. Avec ma technique, il se prenait cher, il mourrait pas. Avec celle de middle, il était... Ça, c'est con. Et donc, Grognoob qui dit... Ouais, de toute façon, voilà, on résume et... La résume, on s'en fout dans cette compo. Ah, Dead Expo qui dit, on l'a vu après, on vient résu ce Yop, la maléfique, le fossile. En tout cas, le match qui commence très très bien pour les Dug. Hein. On se met plutôt bien d'une match T2, tu prends un kill sur le Yop en plus de ça. Ah bah voilà, il est maléfique lui. Oui, il est maléfique et le Yop est résu quand même. Donc, par contre, ouais, il y a un truc sur les résus où tu peux fossile. Non, oui, c'est le gros up en fait qui est passé un petit peu inaperçu là. Ouais, parce qu'avant ils ont quand même, avant tu pouvais, ils ont fait une match pour empêcher ça parce que c'était trop fort et ils le remettent après. Enfin, la match où ils ont empêché ça parce que c'était trop fort, ils l'ont passé en même temps que la match où ils l'ont passé à 3 PA et. Il y avait plus de. Ouais, c'est en fait, ça. Donc, les deux nerfs trop, étaient beaucoup trop. Un des deux nerfs, ça aurait été passable. Et les deux nerfs c'était beaucoup trop gros et tous les autres se sont plaints mais ils n'ont pas écouté. Attends, on a un Yap qui va lui aussi profiter de l'état, enfin des portails. Oh quand même, regarde les robots qui a 1700 points de vie. Oui mais bon. Regarde 3300 points de vie max, quand même. Hein. Il se refout près des portails. Hein. Alors on va, c'est bien joué. 1, 2, 3, il a juste le PO. Comme c'est dit dans le slash T, il aurait juste pu intimidation le dragonnet au lieu de faire un bon. Oui, c'est pareil, oui. Donc quoi qu'il aurait du bon à vote en fait. Mais quoi qu'il aurait, il soit fait bouger par son statuaire ou quoi. Donc ouais. Un peu bizarre quand même. Alors, Sacrieur. La transpo sur son Yap. On va du coup encore une fois taper sur les portails. Enfin, très important, mais il y a un sac animé, on a des buffs l'héro, il y a encore un trou d'héro. Les flamiches, voilà. Et bim. Encore un assaut, 1836 points de vie sur cette Eka Flip. Ça commence à faire mal quand même là. Hold Opel. Il sauve tout. On a dû jouer derrière, mais. Ah là là, le match qui a commencé très très rapidement. Par contre, j'ai encore une corrupe de possible. C'est vrai, on a même pas mal acheté la corrupe. Mais non, donc ils ont encore un gros avantage.
Après, il n'y a pas de sacrifice non plus qui est tombé. Oui, mais le... s'ils arrivent à faire un gros tour avec une corrupte, je pense que le sacri, et même s'ils sacrifient, ils sont envolés. Et du coup, le Yap qui est revenu, il a presque... Bon, il a pris 1000 de Vitamax, quoi, mais il est toujours là. Mais ses mates ont pris tous moins 30% hein, passage. Oui, mais ça... Après, le jeu n'est pas placé, donc c'est pas comme... c'est pas comme il... Voilà, le jeu n'est pas placé, mais si le jeu était placé, les... je trouve que les moins 30, ça fait presque plus rien. C'est vrai. Du coup, on va placer une on est en état Kaboom, on vient placer une Tanda Bomb, on booste un petit peu PM sans Sacrieur. On va pas non plus trop s'avancer côté de ce groupe là. La rémission sur sa bombe O. On a deux bombes O un peu, c'est pour l'instant sur le terrain, on était 3. Il a la coop là. Le Sacri il l'a pas utilisé. C'est vrai, Sacri a gagné ses CD. Mais après, en fait, Léo a des portails posés dans le camp adverse, la coop servira à rien. Enfin, Léo pourra toujours faire quelque chose. Et moi j'ai un bug avec Loza qui fait que de bouger avec ses ailes là. Ça... Ah, tu l'as aussi. Enlève et remet le mode spectateur. Le mode créature. Ok, merci. Au début c'est marrant, mais après c'est lourd. De toute façon il allait jouer donc ça laisse lourd. Donc on essaye de booster le tutu. Pourquoi il a pas tapé le doppel sacré plutôt? Bon, c'est pas non plus. De toute façon, il aurait fait un bluff haut de manière. Non, parce que je pense qu'il voulait pas rouvrir les portails surtout. Oh, quoique. Snyder qui va jouer, il va s'avancer, il restera 3 PM, 13 PA. On a toujours un EK flip, 3000 points de vie max et que 2328 points de vie. Il peut y avoir une coupe. Enfin, non, on va certainement peut-être. Est-ce qu'on peut porter son EK? Non. Les bouffes tout. On va chercher à attaquer cette nuit 3, on dirait. Hein. Ouais, mais. Bon, vite fait quoi. À 1 PM près, ça aurait pu être un très très beau move. Ouais, c'est vrai. Alors, le dragonnet rouge qui va taper un petit peu l'ouest. T'as le debuff du sacrieur qui avait été clé réduque, c'est pas mal fait. Grox qui va chercher la flasque sur cette bombe à eau qui était plutôt bien stack. Une flamiche. Est-ce que ça crit? Ça crit pas. 10 points de vie. Ah. Et les types sur son EK flip. D'accord. Ils sont pas obligés d'attendre un deuxième tour dodo pour retomber quelqu'un là, que ce malus raise. Ah, puissance, c'est ça qui va se faire des bluffs. Ah non, ok. Par contre, il a pris combien de fuite en moins lui? Moins 40, il me semble. Ouais. Normal. 50% feu. Et t'en penses quoi, Middle, de ces moins 48, moins 40 tacles comme ça? Que ça va. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Tranquille. Non, mais le bouffe-tout est... Oui, vas-y. En fait, le bouffe-tout est assez faible en soi et sans ça, c'est. Bah sans ça en fait il se... enfin sans ça il est faible en fait. C'est ça le truc. 50% quoi. Est-ce que tu trouves si faible que ça? Franchement moi je... En fait il ne sert qu'à tacler et au final c'est normal qu'il ait autant de... Enfin, il ne sert qu'à ça en fait. Et s'il n'a pas de... Et s'il si, suffit juste de mettre de la fuite pour se dire que c'est bon, les bluetooth sont useless, genre ignorables, bah c'est, ça commence à devenir compliqué. Bah regarde, oui, bah, regarde pour le Wasta c'est pareil, enfin, tu fais une canine, t'es détaclé. Hein, sans vouloir être méchant... Tu rends du oui, mais le Wasta derrière, il a le moins 30 tacles et il a la faiblie. Et c'est surtout pour ça qu'on utilise le Wasta, en plus de pouvoir tacler quelqu'un. Oui, alors que le bouffe-tout derrière, bah justement, il a que le moins 48, ou le pesanteur pour l'autre. Et c'est pour ça qu'il est utilisé, et pas vraiment pour le... Enfin, bon, tu me dis ce que tu veux, mais un bouffe-tout dans une gravita, tu rigoles pas trop. De toute façon, on n'est pas là pour... Ouais, voilà. On diverge un petit peu, on a une coopération sur Hero Boy avec un Yop qui a lâché la puissance tout à l'heure. Et un coup de montage sur cette Heliotrops. L'a dit, on va pouvoir ramener son EK Flip. Hein. Franchement, on va pouvoir le ramener. Bah, totalement, il a juste utilisé l'IB. L'IB à front, ouais.
Odyssée. Primate, pardon. Odyssée, ça prend 2 PA. Il reste sur le portail. Il faut qu'il s'avance pour le. Plus, ouais. Et hop, Odyssée. Voilà. Et le sacré va se faire allumer par contre. À moins qu'il veuille le placer sur. Enfin, placer sur. Oh, Snyder, je pense. Ouais. Clairement. On vient en mettre 2, c'est pas mal, hein. C'est pas mal d'en mettre 2. Hein. Tu viens. Ça devient plus compliqué hein, pour le sauver. Il pouvait pas le sauver de toute façon. Enfin, il peut juste blabot quoi. Ouais, et si blabot, c'est le sacré qui sera. Ça fait un blabot utilisé, et à côté, t'as un sacré qui sera tout de même érodé et bien entamé par Sika Flip. C'est pas mal hein, ce double choix. Quoi qu'il arrive, cette équipe des Dog est gagnante sur ce tour de. Agressif de placement. Alors le roule à bot du coup pour reculer Snyder de ce placement portail. Et c'est Eliken qui va manger un petit peu la harne de Steka Flip. Après il préfère que ce soit le sacré je pense. Hein. Ouais, enfin sans aucun doute on préfère que ce soit le sacré, mais à partir du moment où le sacré descend à 3000 points de vie max, le match est pratiquement. Enfin. Même s'il se retrouve en spirit numérique avec la laisse, etc. Il y a tout qui devient très dangereux. N'importe quelle petite erreur devient. Puis il a moins 3% haut. Yep. Alors la roulette de poux. Par contre, Hero Boy n'est pas bien non plus. Hein. 2900 points de vie max, c'est critique. Regarde-moi ses réflexes. En certains, on termine avec un coup de. Attends, il a moins de récrit donc ce sera pas. Mais il est... Je sais pas ce qu'il a en cac, mais il est pas au marteau ancien Steam, il a pas les 15 fixes. Hacham, oui. Hacham, oh, moins 1764, c'est d'une violence. Ok, on a un malus résu, sur mais. Moins... Ouais, sur moins 3, moins 3, 21, et c'est quand même énorme. Yep, un sacré qui a pris très cher, il a été rodé. Ouais, et le panda qui va jouer. 1000 d'euros, c'est infâme. C'est assez violent en plus de ça, Grox qui va jouer derrière, est-ce qu'il va placer un petit peu de dégâts, est-ce qu'il va faire du placement, Snyder qui a choisi de passer à travers portail, qui va placer un dragonnet rouge. Il vient carrément le piqûre motivante, le dragonnet noir aussi, la totale hein. Est-ce qu'il a dragonite le. Enfin est-ce qu'il a souffle dragonite. Je sais plus comment ça s'appelle. Regarde, souffle y a pas le bonus de points. Donc non. Il a pas souffle dragonite. Je sais pas si c'était plus rentable ou pas. Sachant que le dragonnet va taper, ça va pas se soigner normalement. Il a toujours son petit mot de soin là, enfin son petit sort de soin. Le soin aurait pu être beaucoup plus infâme. Ouais, mais en tout cas, les dégâts sont assez imposants. Hein. Regarde, c'était Gaflip qui prend moins 489, 2240 points de vie, en plus un coup de debuff. On avait la cupie. 32% quoi, mais il avait quand même 32%. Ouais, le dragonnet rouge là, lui qui va juste, je pense, taper le Wastab, ce qui peut mettre un coup de sang sous la pluie, il va certainement mettre un coup de sang aussi sur son Yap, et voilà, ça sera tout pour ce tour de jeu. Maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant pour Grox. On a la transport hein, sur Eliken, on a aussi les deux dragonnets, ouais. Il va virer l'Oza, je pense. Tu vires les dragonnets, tu fais une zone flasque, et ensuite tu vires l'Oza. Hop, il va prendre la flèche sur la droite, je pense. Non. On pourrait faire, on pourrait mettre la flasque. Hein. On va simplement mettre les flamiches. Je pense que la flasque était rentable hein, sur ces. Il faut taper les invoques, là, ça devient trop. Enfin, il y a déjà 3 invos. Enfin, nous avec 3 invos, enfin, c'est là où on a commencé à se faire submerger. Enosa, faut vraiment pas laisser. Eux, ils touchent pas, ils espèrent que ça va vite se dérouler. Mais sauf que moins 30%, bah, ça fait plus énormément quand t'as 3 dragonnets qui peuvent soigner. Puis regarde les lios qui commencent à prendre très cher là. Ouais, regarde la précis, les coups de Eric qui crit, la destin, 640, 1685 points de vie sur Grognou. Aïe, ça fait mal. Alors, on a un Enu qui est. Attends. Il va désinvol le bouffe-tout, il va aller désinvol le gros, je pense, plus le fantôme. Mais. On va chercher les types hein, sur son. Sur son Nelio, ouais. On remonte à 2680 points de vie. Du coup, voilà, y'a personne qui tape les invos, ils restent là, enfin. Ils vont vite voir que c'est impossible. C'est pas facile parce que souvent, c'est les premières fois où on joue contre les Oza, donc on sait pas trop comment les prendre, je pense.
Ouais, c'est vrai. Alors, ce Sacrieur qui a sa transpo, il me semble, 2 disponibles, qui a été bien érodé, qui a pris quelques dégâts. Il a toujours le petit boost PM là de la certaine avant. Il va exploser l'hélio. S'il a la transpo, il transpo le gros drago et il va défoncer l'hélio. Même le petit noir. C'est pas raciste, désolé. T'as pas mal. Je suis choqué. Alors, on va chercher non, plutôt des Oh là assauts là, c'est des peuples. sur le panda. Midel est Oui, choqué. il l'a clippé plus cher. Ben non. Je me fais porter point comme ça. C'est une petite blague. Alors. Black. Une petite blague. Et un peu taclé par ce yop, dis donc. Ah, 64 aussi. Ouais, mais... On a le fossile, non? On a le fossile sur le Yop avec le plus 40 attaques. Ouais, c'est 45 attaques même. C'est pour ça. Alors, la brimade. Il nous reste 6 PA sur cet héliotrope. Ouais, vas-y, c'est pas... En fait, depuis qu'ils ont fait le kill, c'est pas top, quoi. Cela dit, on a un Sacrieur qui est toujours assez mal. Hein. On a toujours le malus. Le Roup qui est bien trop loin. L'Eka qui est porté. Et c'est vrai que ça pique un peu, là. Par contre, le roube a pris cher. Le roube a pris cher. On a mis le roube la botte tout à l'heure. On va chercher l'aimantation. Le tromblon, d'accord. Sur cet héliotrope. Le rebours sur son yop. C'est pas trop mal. Hein, c'est pas trop mal. Hero Boy qui est porté par son panda. Qui est encore à corps de ce sacré. Est-ce qu'il va nous remettre? Est-ce qu'il va nous faire le plaisir de nous relâcher un coup de caca à Cham en Il est des critique? robades. Il est des robades, donc Allez, c'est il est pas dérobade. spectacle. Je l'ai pas vu. Par contre, on a une zone réflexe. Ouais, et ça c'est vilain. Par contre, ça tape plus. Ah, il a plus la roue. Il a plus la roue, il a été debuff tout à l'heure par le dragonnet rouge. Ah oui, c'est ça qui est infâme aussi, le nombre de debuffs. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas laisser les dragos. Ça, c'est grâce à Middle que je le sais d'ailleurs, c'est lui qui m'a un peu formé à la base. Si. Ça n'a pas suffi. Il a fait exprès de mal me former. Et donc là, à mon avis, Ouais, mais il est trop loin pour que ça soit une sacrée, non? C'est deux cases, hein, c'est deux cases pour soigner. Par contre, attends, le souffle dragon qui fait pas archi mal là? Oui, bah ça fait ces dégâts-là quand il est pas en dragon. Les dragonniers enlèvent du... Ah non, il va... Bah non, il a pas pris le contrôle du Il coup. va taper les. Ouais, le dragon va taper dessus quoi qu'il arrive. Mais attends, le souffle dragon... Il va pas soigner, lui. Non, il va pas soigner, mais regarde les Kaflip qui est tellement mal en point de vie. Ah oui, les Kaflip. Mais non, mais je te dis, ils ont fait une grosse erreur. Déjà, il utilise jamais le vertige, le panda, alors qu'il est feu. Là, après, il va pouvoir soigner, mais il laisse les invoques, enfin, il les split, mais sauf que les invoques, bah, ils font ce qu'ils veulent depuis le début. Je pense qu'il y a pas mal d'erreurs là. En même temps, c'est pas évident, hein, Kina. Ça, mais ils ont pas assez Non. profité des capacités de King qu'avait leur composition. Ils commencent Ça, à se submerger, ouais. je dis pas, c'est vraiment pas évident d'affronter une team comme ça. Bah. Ah non, il sort de Pressilia. Ouais, le Yop sort de précis, il a mis tout à l'heure la totale sur cet héliotrope, moins 4 PA. On a toujours l'érosion, hein, sur l'hélio. Enfin, il en a quand même 9. Il peut faire. Déjà, il peut faire tomber le. Après, c'est pas intéressant parce que l'ennemi pourrait soigner derrière. Mais le sacré va faire tomber les cas et va le tuer. Eric crit le duel sur cette Mais. Nutrof qui pourra pas chercher de corrup. Ouais, mais est-ce que le duel était. Enfin, genre, il aurait pu rester contre le mur, faire une friction et attirer l'ennemi. Ah, il tacle peut-être pas assez. Il tacle sûrement pas assez. Parce que le duel, ça fait. Il va se prendre une libépelle, à mon avis. Après, t'as toujours le groupe qui peut le replacer. Non, mais là, ils ont gagné. Enfin, la team de Snyder va gagner. Moi, j'aurais pas fait ça. Aïe aïe aïe, c'est pas simple. La Non. boîte. En fait, le problème, c'est que la nuit va se prendre la PLS le tour prochain, là. Enfin, ce tour-là. Et que les. Est-ce qu'il a une coop ou. Je sais pas, je sais pas quand est-ce qu'il. Non, il a lancé T4, je crois. Ah, je sais plus. Mais Si, il a lancé T4 en cop.
Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut le. Il va pouvoir attirer et faire descendre les cadres. On va se diriger plutôt sur l'Unitroph, on dirait. Non, mais en fait, oui, c'est pas plus mal aussi l'Unitroph. Non, là, on joue pas, on joue pas, on joue pas. On va passer son tour. Non, un coup de montage quand même. On a réussi à jouer sur les dernières secondes. En même temps, franchement, c'est pas évident de jouer à toutes dernières secondes avec la nouvelle interface. Je me risquerais pas à ce genre de tour. Non, parce que des fois, t'as l'impression que c'est pas encore fini et qu'en fait, ton tour est déjà fini. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu plus compliqué que l'interface. Alors, l'Unitroph. Faut s'habituer. Un Incaflip qui est archi mal, on a un Unitroph qui est très mal, un Yop qui va s'apprécier, on a un up, un... On est pas bien du tout, hein. On est vraiment pas bien du tout. Tous les persos ont pris pas mal de dégâts, certes on a fait le premier kill, on a le Malus Raze en face, mais... On est en train de souffrir actuellement, ouais. Il a plus le souffle en fait, le Yop, parce que sinon le Roublard avait juste à bot les nuls, les monter sur l'appel, et le Yop pouvait... Ok, j'ai rien dit. C'est vrai qu'il y a un Helio. Après, le Blabot, il a fait tour combien aussi, c'est pareil, ça. Blabot, il a été fait... Non, T4 ou T5 aussi. Le tour, ils ont ramené le sacré... Le tour, ils ont mis les dégâts sur sacré, donc c'était il y a deux tours, c'était T4. Ouais, donc il l'a pas. Par contre, il a deux grosses bombes tout au fond. Au moins, il reste pas au fond de la map et essayer de faire des trucs avec ses bombes. J'ai pas mal. On vient tenter la petite bombe directement sur les Unitroph. Non mais là les... en fait t'as les nuls, les K et les lions qui sont mal, même le panda, hein. Enfin ça va, il a 2500 mais ça descend vite donc t'as une chance qu'il va être claqué là. Ouais c'est bien beau ça mais il y a toujours les dragonnets derrière. Bon là il se place bien au moins. Ça crit pas malheureusement. Ah un crit ça aurait fait du bien. Après, est-ce qu'il peut pas faire quelque chose pour son dragonnet? Genre lui donner 2 PM en... Tu peux invoquer puis en vol, Middle. Oui. Donc il pourrait invoquer en vol... Oh, je sais pas si c'est très utile en fait. Bah, 980 si. Ah oui, il a la libé. Je suis bête. Là, il fait son dragonite machin et il... Je sais pas comment... Si t'es pas en fusion, ça fait combien à peu près, le dragonnet Le de quoi? Ça dépend du taf en fait. C'est soin plus 50% de tes soins et de ton attel. Donc ça dépend de... S'il est pas en... Ce que je veux dire, c'est que s'il est pas en fusion, il transmet pas les caractéristiques. C'est vrai. Ah, voilà, 280, ok. Ok. Ah oui, mais il les contrôle pas aussi. Du coup, il respire un petit peu là avec ses soins, mais enfin, le Yop peut rien faire, il est duel. C'est pour ça que le duel du tour dernier, c'était pour empêcher la corrupt, je pense, sur le sacré. Et encore. Peut-être sur lui-même directement. Stable et nu. Ouais. Ah, Mars à déco, j'ai l'impression. Ouais, il devait y aller. Du coup, je vais reprendre sa place. Bah très bien. C'est un honneur parce que tu vois que je demande beaucoup de choses avec Zaza. Mais Zaza c'est pas encore à... Pas en vouloir. Alors d'ailleurs. Du coup, bon, on va tuer l'appel animé, pourquoi pas. Y'a que ça à faire le pauvre. Et Zivita. C'est pareil, il avait que ça à faire. Il ne faut pas oublier qu'il reste vieux aussi. Ouais, faut pas oublier que... Si l'Osa tombe, le Yop tombe... C'est ça. Okay. Et l'Osa de Nubada, c'est toujours les moins 30%. Il est quand même à 2600 HP, c'est quand même pas beaucoup. Non, en plus là, avec la corrupte du Roup, ça veut dire que Snyler va se prendre les portails. C'est-à-dire que Snyler, effectivement, va se prendre les dégâts à travers les portails. À mon avis, il va y avoir un sacrifice de la dernière chance. C'est obligé, hein. Ils sont obligés de sacrifier tout de suite. Mais avec ça... Il y a moyen que genre le... Bah... Non, pas le sacri, il tombera pas. Si, je pense qu'il pourrait avec les restes qu'il a, mais... C'est quand même chaud, hein, ouais. Mais même si ça tombe, vaut mieux faire ça. Enfin... Vaut mieux sacrifier de toute façon le sacri que l'Osa, je pense, dans la compo, là. On l'a vu, une fois que vous aviez placé, vous avez pas besoin du sacri. Alors... Ouf. Mais l'Elio encore est mal, hein.
Ouais, Lelio quand même à 700 HP. Après, là, il n'y a plus personne qui joue entre Lelio et l'Eka pour l'instant. Donc, quoi qu'il arrive, ils vont réussir à placer. Mais après, ses portails sont assez dégueulasses aussi. Ouais, mais non. Il a juste à le foutre dans le fond de la map. Il va plutôt éloigner l'Eka. Super combo, on met un portail. C'est le 1 et le 2 qui partent. Non. Ah non. Ah non. Ça sort sur le mauvais là. Bah, ça sort sur le sacré. Hein. Ah oui. Bah oui, oui, non, mais je suis con. Oui. C'est lui qui a le moins de reste, c'est plus. C'était mieux. Carrément. Carrément, carrément. Du coup, Hero Boy. Il va faire directement des dégâts, il va pas il va pas. Il va pas se. Il va pas éroder. C'est ça. Il va faire les dégâts. Un petit esprit félin qui va le mettre de l'autre côté. Et ça le met à côté des bons quand même, hein. C'est un peu chaud. Oui, mais. Bah le Yop. Après les Léo pourra. Lio pourra le déplacer. Par contre, il se met près du Lio, c'est ça qui est plus dérangeant. Ouais, c'est vrai. Après, il y a toujours le panda qui peut. Bah non, il peut pas prendre. Si, il peut, mais il pourrait pas faire ce que je pensais. Ok. Ok, on va mettre directement le petit fossile sur le sacrieur. C'est vrai qu'il a le fossile, du coup. En vrai, il a 20 HP. Ah oui. Ah oui. Ah, le dragonnet qui fait d'énormes dégâts sur le dégât x2. Les Nutrof qui va du coup y passer. Aïe aïe aïe. Ouais bah oui, il lui reste 2 dragonnets. 3 dragonnets même. Ah non, 2. Si, non. Ouais, mais l'autre est au bout de la main. Ouais, l'autre, voilà quoi. Il veut prendre Westa. Il va venir maintenant, mais bon. Prendre Westa. Aïe aïe aïe. Et là, ça fait mal. Parce qu'il y a l'Hélio qui va pas tarder en plus à tomber. Ça a libéré la ligne. C'est de ça. Vie en tuant les. Oui, tu peux aussi passer par le portail. Et. Non. Le bouffe-tout, ça tape jamais assez. Non, pas sur 30%. Oh non, pas sur 30%, mais ça va quand même faire pas mal. Enfin, sur lui, c'est un. Il tape terre. Il tape terre, celui-là. C'est l'autre qui tape. C'est l'autre qui tape neutre, ok. Non, il faut que j'apprenne aussi ça. Il avait pas la PO pour taper les cas. 2, 4, 6, 7. Si. Il avait 7 PO. Il avait peut-être perdu des PA que j'ai pas vu. Ou alors il peut qu'une fois s'il est pas piqûre motivante. Bah non, il a 10 PA. Non, il avait des PA. C'est bizarre, mais c'est pas. C'est pas très grave, le Pandawa qui va faire d'énormes dégâts quand même sur Eliken. Eliken qui se retrouve du coup à 600 HP. Hein, tranquillement, il y a pas mal de. Ouais, et 600 avec un fossile en plus. Hein. Ouf. Avec le Dragonnet, il avait peut-être pas besoin de précis. Ouais, s'il aurait jamais fait 300. 390 quand même, c'était chaud. Et donc, du coup, on a un mort supplémentaire côté bleu. Et oui. Un mort supplémentaire, ça va commencer à s'enchaîner. L'héliotrope direct qui va y passer. Il va y passer, ouais. Aïe, 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 aïe. Mais ils ont fait 2 morts. Mais ils ont. Un seul. Ils ont fait qu'un mort. Là, pour l'instant, il est sur ses pattes. Ouais, c'est vrai. My bad, ils ont fait pire que nous. Ça va. Et il reste plus que Grox. Hein, le petit remplaçant du panda indignation. Ouais, heureusement. Ouais. Quelques furies. Hop, les avocats qui font le taf. Hein. Mm-hmm. Oula, il va pas se faire chier, risky, je pense. Plus bombe. Est-ce qu'il a moyen de faire un mur de bombe? Est-ce qu'il a la portée pour de là faire une entourloupe? C'est quand même beaucoup, hein. Ça ferait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah si, de là où il est, si. De là où il est, après il pourrait faire une botte, effectivement. Ah dommage. Même en avançant, il aurait pu. Il va ramener le Yop. Non, il va ramener le Sundas. Je suis pas vraiment très bien compris. je sais en fait. Tu as prévu quelque chose? Apparemment non. Ils ont ramené Snyler,
sur le champ de bataille. Les deux compositions avaient deux victoires. Ah oui, ok. Une victoire, c'est ça ? Une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. Ouais. Snyder a perdu le premier combat. Ah, pff, effectivement. Je me rappelle parce que c'était l'hécatombe pour les Osa, justement. Oui. C'est vrai que la première ronde pour les Osa Menace, c'était pas très glorieux. Il y avait que la compo à Loris qui avait gagné, je pense. Et une autre. Et... Non, pas une fliche. Ah si, peut-être une fliche. Je sais le Dragonnet qui va faire les 800. Il a quelques cents supplémentaires de plus que moi. Hein. Genre, il a 10 cents de plus sur le Dragon. C'est-à-dire qu'il doit avoir une vingtaine de plus sur le souffle du dragon. Ouais. Les Osa, du coup. Non, il n'y a que le risque à gagner. Ok. Ok, ok. À moins que j'ai mal vu, mais de toute façon, je regarde pas en détail. Et qu'on nous dit qu'un fiche avait à gagner, mais... Donc j'ai de la merde dans les yeux. Ouais. Une chimie, comme tu dirais. Ah si, mais ils ont gagné par forfait. Ouais. Est-ce que c'est vraiment gagné dans ce cas-là? Ah non, c'est Zamoradia, c'est pas une fiche. Bref. On va finir tranquillement ce combat. 1695 HP sur Grox, qui se résigne un petit peu en se plaçant à côté du Hop. Le double Eri, il va passer son tour tranquillement. Le Sacrieur, il serait très certainement au transpo pour finir ce panda de façon tout calme. Non, il va juste faire un petit détour. J'ai pas vu si, de toute façon, j'ai même pas vu s'il avait ses cooldowns. Et ce sera l'animation pour le Marathon Moon. L'animation de fin de combat. Le beau truc, le beau. La belle animation, tout simplement. Et on aura une victoire, du coup, en 3-0 de cette équipe. Les 4 mousquetaires, c'est ça ? Les 4 mosquitos. À chaque fois, je mets le S, mais je ne pense pas qu'il faille le mettre. Les 4 mosquitos ? Je pense. Je sais pas. Sur l'overlay, il y a le S, donc les 4 mosquitos. Ah, du coup. Il y en a 4, donc ça se trouve. Une petite victoire du coup, en 3-0 des 4 Mosquitos, en 36 minutes 52 secondes, 9 tours. Un gros GG à eux, du coup ils récupèrent leur deuxième victoire. Comme d'habitude, en plus avec un mort dans leur équipe, il ne faut surtout pas qu'ils fassent de défaite. Surtout pas qu'ils fassent de défaite. Sinon, bah, c'est compliqué, hein, parce qu'il y aura quelques équipes à 2 victoires normalement. Qui vont passer les phases finales. Tu nous confirmes ça, Ilias ? Coucou. Alors après, je sais pas exactement ce que tu veux que je confirme, tu peux me redire. Est-ce qu'il y aura des équipes à 2 défaites en 8ème ? Il y en a au moins 4, de ce que j'ai pu calculer. Normalement, si je ne me suis pas trompé, il y en a au moins 4. Peut-être 5 selon les résultats. Effectivement, selon si il y a des full victoires ou s'il y a eu des. S'il n'y a pas de full victoire. Effectivement, il peut y en avoir plus ou moins. Et du coup. Et j'ai 2 Ilias au passage. D'ailleurs, c'est bon. Et un gros GG à votre combat d'ailleurs. Une grosse punition, hein. Ouais, après il y a eu quand même beaucoup de fails de leur part. C'est vrai que nous on avait préparé le truc quand même assez bien, donc de toute façon on était assez serein globalement. Ouais, de toute façon on les exile, hein. Vous êtes allé à Zexiland là sur l'Ister. Et c'est ça. Vous revenez équipé quoi. C'est le petit déj, c'est leur d'œuvre. On va pas parler trop vite, hein. Ouais, et Ilias qui dit « j'étais serein », il m'envoie un message. Ah oui, d'accord, on a complètement coupé la fin de ta phrase, Pierre.